Donc oui, je viens avec les élèves du lycée Romain Rolland de Goussainville. C'est une classe de terminale option EPS. Donc on a décidé de les faire participer à cette semaine olympique. Ils organisent différents challenges sportifs, eux, quand ils sont dans leur parcours, mais c'est aussi leur permettre de vivre de l'autre côté. Ils ont 3 heures de EPS en plus par semaine dans leur emploi du temps. Donc c'est une option qui suit depuis la seconde, pour certains depuis juste cette année. Et au-delà de la pratique, ils ont également des thèmes à aborder, et notamment cette année, c'est le thème de l'activité physique et l'inclusion. Et deux stagiaires qui nous accompagnaient sont ici et ont un parcours, on parlait de leur BPJS par exemple. C'est des parcours que nos élèves peuvent plus tard décider de choisir, de s'orienter, donc c'est aussi discuter avec eux de tout ça. Ce que ça leur pourrait apporter, c'est un petit peu une nouvelle expérience, peut-être dans certaines activités qu'ils ne connaissent pas. Arriver dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, enfin, le CREPS, qui est un lieu tout nouveau pour eux, des installations qui sont assez grandioses, on va dire. Le terrain bleu juste à côté qui les fascine depuis leur arrivée. Et puis, et pratiquer entre eux aussi cette cohésion de groupe. Qu'il peut y avoir, de les souder un petit peu plus aussi